Oh, ici Rachel, et c'est pour un nouvel épisode de Total War Warhammer avec les elfes sylvains d'Orion, la chasse sauvage. Et donc, on est à Quenel. On avait pris Quenel de Paravon. Là, j'ai passé un tour depuis le dernier épisode, donc je suis en train de recruter les éclaireurs de la gorge profonde. Et donc, on va tenter de récupérer Paravon parce que je suis pas en guerre avec Gasconi. Mais j'aimerais plus tard les défoncer aussi. Ce que j'ai remarqué en off, en faisant une petite campagne avec Dursu, donc grande campagne que j'avais faite comme ça, au pif, si vous défoncez une des factions bretonnes, que ça soit Paravon ou Gasconi, les autres bretons commencent à vous aimer, au fait. Il suffit d'en détruire une et ils vont commencer à vouloir faire du commerce avec vous et vous aimer. Donc ça serait bien de détruire, par exemple, de récupérer Paravon et après descendre sur Gasconi et Sanestali et faire du commerce maritime. Très bien. Le problème, c'est que l'IA étant très apeurée, va rester dans ces villes comme ça, donc je vais essayer au prochain tour de tenter de faire une embuscade dans ce petit bois ici, en espérant qu'il ne me repère pas. On commence à bien s'entendre avec nos deux amis ici, donc la faction de Vitrios, je l'appelle Vitriol, je ne sais pas pourquoi, Vitrios, et Torkovan. On commence vraiment à bien s'entendre, je pense qu'on peut bientôt faire une alliance avec eux. On s'entend un peu moins bien de nouveau avec Arguilon, parce que bon, à cause d'eux, on est en guerre avec les nains de Karxiflin, parce que Arguilon a je crois qu'ils ont un malus diplomatique avec les nains, parce que bon, apparemment, Dursu s'est fait maltraiter par des nains, il s'est fait violer par des nains dans la ruelle, dans une ruelle sombre en hiver. Et du coup, le problème, c'est qu'on a les nains sur le cul ici. Bon, les Argoons sont toujours nos potes, par contre. On dirait que ça marche plutôt bien. Ils ont récupéré les voûtes, donc super. Par contre, problématique, c'est que voilà, Karaxiflin, on va quand même essayer de faire un petit pacte en disant oui, c'est Dursu, ne t'inquiète pas pour lui. Il a vécu mal son enfance. On a dû aller le chercher à l'asile et le mettre au palais des chutes. Hein, je suis désolé. On pouvait pas le piquer malheureusement parce qu'il était quand même encore assez en forme. Donc voilà. Excuse-moi, Karaxiflin. Du coup, je vais attendre encore un tour et on va essayer de faire une embuscade. J'aimerais récupérer Paravon. J'ai plus d'ambre parce que j'ai amélioré la clairière royale. Donc là, par exemple, si on perd notre alliance avec les nains, on sera en PLS. Car quand vous avez plus d'ambre, vous avez des malus, au fait, il y a la corruption qui augmente dans la forêt. Moi, je pensais que c'était des malus d'ordre public, mais j'ai testé en off. Et au fait, c'est la corruption qui arrive dès que vous avez plus d'ambre. Le chêne des âges est déjà au niveau 2, donc c'est une bonne chose. Du coup, dès qu'on aura le niveau 2 ici, je vais faire une construction pour l'infanterie, je pense. Parce qu'il nous faut quand même un peu d'infanterie. J'ai fait une campagne avec Dursu en off et j'ai remarqué que les dryades, donc les arbres là, c'est très très fort. Même si en défense ils sont pas super. Donc plus tard une armée full arbre ça peut être pas mal, mais pour l'instant j'aimerais peut-être faire de l'infanterie, mais surtout de la cave aussi quoi. J'aimerais vraiment avoir les chevaliers sylvains là. Qui d'ailleurs coûtent de l'ambre quand vous jouez avec Dursu, ce qui est très bizarre parce que ceux-là ne coûtent pas d'ambre. C'est très bizarre hein, la mécanique là. Alors que moi je paye des ambres pour des mecs sur Aigle, alors que les arbres ne payent pas d'ambre pour ces gars-là. Et c'est là que j'ai pas compris. Donc à mon avis c'est tout ce qui est par rapport à la nature, comme les animaux et les arbres. Là, eux ils payent pas d'ambre, mais nous oui. Alors que eux, quand ils prennent des mecs sur le cheval, donc qui est pas de la nature, qui est plus donc des animaux dressés, des trucs, voilà. Là, ils payent de l'ambre. Je pense que c'est ça la mécanique. Puisque les cavaliers ils ont des serres, ils ont pas de cheval. Mais bon, en même temps nous on paye pas d'ambre non plus, quoique, attendez. Je réponds à mes propres questions, hein, je m'excuse. Ben non, on paye pas d'ambre non plus alors. Ben on paye de l'ambre pour ça. Non. Ah. Par contre, eux, ils payent de l'ambre pour les sorts de l'épine. Sorts de l'épine que j'ai pas encore testé, c'est la seule unité que j'ai pas testée, elle a RPT quand même. Hein. Bonus de charge de 28, ça c'est pourri, mais elle a les dégâts de tir. Ah d'accord, ils tirent. Attends, ils tirent. Mais ils ont aussi une attaque en mêlée de 33. Ok, donc c'est un peu comme chez les 1, les unités de tir, mais qui peuvent aussi faire de la mêlée, ce serait intéressant ça. Bien. Assez jacassé, n'est-ce pas? Pour le mot que je pensais que c'était pas du français, oui, c'est bien du français. Merci de m'avoir appris quelque chose. Je suis franc là-dessus, je vous remercie beaucoup. Je connaissais pas ce mot, je vous assure. D'aucun, je connaissais pas du tout. Donc merci à vous. Vous êtes mes petits chéris, vous m'apprenez la langue française. Du coup, on va passer un tour, je pense que tout est dit. Qu'est-ce qu'on fait encore comme recherche? Ah oui, les seigneurs des lames, Elstrazor, pour avoir ce bonus de mêlée. Passons le tour et voyons voir ce qui se passe. Alors bon, Arguilon qui m'énerve un peu. Voilà, ils veulent absolument que je rejoigne la guerre contre la Gasconie. Mais moi je veux d'abord finir par Avon, parce que le problème c'est que si maintenant moi je vais dans le nord, eux ils vont attaquer ma ville côtière.
Et par avant, eux, ils veulent faire la paix. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils sont un peu en PLS. Mais le problème, c'est qu'ils sortent, s'ils sortent pas de leur putain de ville, on pourra jamais rien faire. En tout cas, on a de l'argent. On en gagne pas beaucoup, mais on en a. Je vais tout de suite me mettre en embuscade. Alors, taux de chance d'embuscade de 65%. Il faut que ça soit la route aussi, parce que sinon, ça sert à rien. Ici, on a du 90%. Allez, embuscade. Et normalement, ils vont peut-être aller vers Quenelle pour récupérer leur ville. Et là, vous voyez la garnison que j'ai avec la pierre gardienne, c'est pas beaucoup. Et c'est assez... disons que c'est spécial, quoi. Enfin, c'est de la très bonne garnison, mais il faut faire attention aux archers, parce que surtout que les guerriers faucons et le faucon, donc le grand aigle, qui fait de très bons dégâts hein, contre l'infanterie, sont très très vulnérables au tir. Alors par contre, les lémures et les dirèves, c'est des bonnes unités qui font très mal, mais ils ont une défense de merde, enfin c'est très bizarre. La faction des elfes sylvains est une faction... une fois t'as une bataille, ça dépend vraiment contre qui vous battez. Si vous battez contre des bretons, vous êtes assez fort, mais si vous vous battez contre des hommes bêtes qui ont des unités de tir, et ces saloperies de cyclopes là qui balancent des pierres, ou les minotaures, là vous allez être en PLS. C'est une faction qui vraiment... C'est une faction très équilibrée, mais en même temps, il faut faire gaffe à ce que tu fais, quoi. C'est vraiment... C'est la première faction dans ce jeu qui est vraiment intéressante à jouer, en fin de compte. Avec les peaux vertes aussi, les orques sauvages, du chaman vert. Qui sont aussi assez spéciales. Il faudrait que je refasse un live avec eux, si j'arrive à faire un live un jour. Bien. Voilà, donc je suis en embuscade, j'espère qu'ils vont venir, les loupards. Les loupards. Et on m'a dit qu'il y avait un truc là, apparemment, qu'est-ce qu'on m'avait dit dans le commentaire encore ? Que ce mec là a apparemment un pouvoir chasse sauvage. Qui fait spawner une sorte de wag des elfes, que vous payez pas d'entretien, et qui vous leur donnez des ordres, et c'est une armée full cave. Alors on m'a dit dans les commentaires, ça peut être aussi un Kiku Buster, j'en sais rien, moi je m'en fous. Je vais quand même regarder. Hein. Alors c'est un truc sas-sauvage. Alors eux ils peuvent prendre des dragons des forêts, d'accord. Et apparemment ça se passe dans les trucs ici. Branche. Mais non, mais c'est Orion qui l'a, je crois. C'est seulement Orion, parce qu'il a des blocs, je pense. Alors. Corne, voilà, corne de la chasse sauvage. Capacité corne de la chasse sauvage, commandement plus 4, mêlée, chance d'intercepter une armée. Et donc la capacité corps. Non, ça peut pas être ça. Attaque dévastatrice. Ah, on m'a dit qu'il y avait un truc qui faisait spawner une sorte de wag elf, une sorte de la chasse sauvage du coup. Ou alors elle spawn aléatoirement pendant la campagne. Je suis pas encore arrivé aussi loin dans la grande campagne, je m'excuse. Vous confirmez hein, si vous le voulez bien. Je sais pas du tout. Bon, j'espère que par avant, vous revenez m'attaquer. Cette armée-là est seulement pour l'ordre public, hein, pour rien d'autre. Hein. Elle est juste là pour parce que sinon tout le monde fait la tronche. Et ouais, bon, on va passer le tour encore. Ça serait bien que par avant descende. Nous faire un petit coucou. Alors Bastogne aussi, hein, ils sont un peu vénères. Ah, ils descendent pas, putain. Merde, chier. L'Empire qui fait ses confèdes. Ok. Bon, bah, je pense parce qu'ils ont vu mon armée là et puis disparaître, donc ils doivent se douter. Mais je pense qu'au prochain tour, ils vont peut-être descendre. Oui, je suis quelqu'un de... Pourquoi il y a la corruption ici? Il était déjà là tout à l'heure. Je suis quelqu'un de très positif dans la vie, moi. J'y crois, j'y crois beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a de la thune au moins. Ça sert à rien de faire le truc de tonneau là, parce que j'ai regardé, c'est pour les régions adjacentes. Donc plus tard, quand on aura le pic du Findol, par contre, le pic de Findus, on pourra construire les tonneaux, et ça va donc nous faire gagner plus de flux. Donc là, c'est l'usesse, on le construit pas. On pourrait déjà faire un temple, mais je suis pas... Bon, après, on a encore 3 recherches, et puis il faut commencer à faire des temples. Parce qu'après, ils vous obligent à prendre des recherches, et là, vous avez besoin d'ambre, donc c'est très bizarre. C'est dommage qu'on ait pas une usine à ambre qui te fasse de l'ambre, mais ça serait trop pété. Du coup, ça en fait pas. Le temple, on attend encore. Les trucs ici, on attend encore un peu, je pense, avant de faire les trucs principaux ici. On attend encore un tout petit peu. Moi, j'aimerais. Bon, ça, c'est bien, c'est pété ce truc-là, mais. Me concentrer sur l'infanterie, je pense. Hein. Les sorcières, elles sont mignonnes aussi, mais c'est pour plus tard. Voilà, c'est là où je suis dans le struggle complet, c'est que.
Pour faire les chevaux au poison, il faut faire le niveau 2 de ça, mais pour faire la cave, donc il faudra, quoi qu'il arrive, construire ça. Mais il nous faut aussi de l'infanterie, ce qu'on m'a dit, pour avoir les mecs à bouclier qui font quand même une bonne défense. Donc c'est là où je struggle, que je sais pas quoi faire. J'aimerais tellement avoir de la cave aussi pour être assez mobile, moi, mais il me faut une force d'infanterie, parce que sinon... J'ai les aigles, oui. Ils sont pas très mobiles, les aigles. Après, je peux faire aussi les deux bâtiments. Je peux me faire ça et ça. Mais je serai limité parce que je pourrais pas prendre les boucliers. Et il nous faudra de l'ambre si on veut le niveau 3. Le niveau 4, pardon. Je peux faire les deux bâtiments. En sachant que je pourrais déjà avoir les montées à poison. Ça me coûte 2000, donc ça fait 4000 balles. Écoutez, je pense qu'on va les faire. Voilà, et on va améliorer un des trucs là. Qu'est-ce qu'on fait? 3500 ou ça? Si on fait ça, on gagnera un petit bonus de fric. Ça peut être pas mal pour avoir, pour pouvoir recruter les hommes plus tard. En sachant que le niveau 2, ça sera seulement intéressant ici pour faire les éclaireurs boire profondes avec les dégâts magiques. Donc les gorges profondes qui font de la magie. Même si les gorges profondes de base sont déjà très bien. Et ça nous permettra de faire le poison aussi. Le poison. Du coup, je pense qu'on va se concentrer sur le flouze, voilà, comme ça. Et après, on fera... voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Après, mon armée, ici, elle est très bien. Elle est peut-être pas assez forte pour assiéger une ville, mais pour intercepter. Je pourrais assiéger Paravon, mais j'ai peur qu'il sorte de la ville, là, même si leur garnison est pas impeccable. Qu'est-ce qu'il fait, lui, comme dégâts sur les villes? Il endommage les murs, d'accord. Je pourrais assiéger la ville. Mais je vais encore rester là un tour pour voir. Peut-être qu'ils vont sortir de la ville. Je sais pas où Arguilon met les pieds, là. Alors, ah, ils sont en guerre avec tous les elfes, maintenant, les nains, là. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que le clan d'Argun m'aime bien? Ça s'améliore, d'accord. Je vais leur donner un accès militaire. Comme ça, on reste vraiment bien potes, quoi. Mais ils nous ont rejoint aussi contre les elfes, donc là-haut. Voilà. Je sais que j'aurais pu demander de l'argent pour l'accès, mais j'aimerais qu'ils restent dans ma poche, donc je leur fais le plus de cadeaux que possible. Parce que sans eux, j'aurais pas de cette ambre. Nos amis elfes, nos frères. Alliance militaire ? Ah, j'aimerais bien faire une alliance militaire. Sans chien. Et Arguilon. Hein. Le Tursu est perdu. Hein. Je sais pas ce qu'il a comme problème dans la ville. J'ai peur que Gascogne nous attaque aussi à un moment donné. Hein. Ça serait bien, comme ça ils sortiraient de leur ville, mais... En tout cas, moi je suis prêt avec mon armée. Hein. Je fais du développement ici, tout est bien. Je pense que c'est bien de vous faire ça. Et plus tard, on fera la forge, et puis les bâtiments spéciaux, le temple et le bâtiment spécial, et puis on est bon. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Les bâtiments de soutien pour la défense sont très bien aussi. Mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix... c'est très compliqué. Alors Baston, ils veulent vraiment faire la paix, hein. Mais en même temps, ils sortent pas de leur ville, quoi. Ok. Karaknorn est détruite. C'est qui encore Karaknorn? Oui, c'est eux, ils sont morts, ok. Du coup, il reste plus que les mecs là. Oh, moi, je m'en fous, hein, je pense que... Il va s'en occuper, lui. Comment est leur région? Oh, leur région est très stable. Même si, en fin de compte, ils payent beaucoup d'entretien pour ces unités à cause de ce malus, là. Enfin, c'est pas notre campagne, on s'occupe pas de ça. C'est pas notre guerre, de toute façon. Bon, par avant, on n'a pas l'air de vouloir sortir, mais en même temps, ils recrutent rien. Est-ce qu'on tenterait un siège? Moi, j'ai juste peur que Gascogne vienne me chier dans la botte derrière. God King. Et je vais essayer d'assiéger par avant. Et je vais voir combien de tours il me semble que les Elfes-Sylvains, ils ont besoin de moins de tours d'assiéger. 8 tours quand même, ouais. Et ben, écoutez, on va essayer. Peut-être qu'ils vont sortir de la ville. S'ils sortent de la ville, on pourra peut-être pas les battre. Ah, ils ont 2 chevaliers du royaume, ils ont beaucoup d'archers. Ah, ils ont beaucoup trop de caves au fait. Ils ont trop de caves. L'infanterie et les archers, c'est gérable, hein. Même eux là.
Ils ont trop de cavalerie en fait. Ah, ils ont trop de caves. C'est pas grave, on va les assiéger. Parce que des fois ils sortent pas, hein. Ils vont vraiment rester dans la ville. J'aurais pu essayer de casser les murs, mais je sais pas si on... ça joue un rôle. Quand tu le fais en auto. Lady of Athel Lauren. Ok. Encore deux tours de recherche. Si on détruit Paravon, ils sont un peu plus cool avec nous, les Bretons. Même si Gascogne aussi, je vais les défoncer. Et j'aimerais bien récupérer toutes les stalies, au fait. Parce qu'on sera en sécurité ici. On pourra faire des ports. C'est le bon plan pour gagner un max de fric ici, en fait. Et puis on se fout une petite frontière. Faut juste faire gaffe parce que il me semble qu'il y a des unités du chaos qui vont remonter ici. Mais ça serait intéressant de faire ça, au fait. Et d'être bien avec le reste de la prisonnière, d'être cool. C'est mon plan. Alors, en tout cas, ça s'améliore avec eux, hein. On est à deux doigts de l'alliance militaire. On est à deux petits doigts. Deux petits doigts de l'alliance militaire. Manu Militari. Écoutez, passons le tour. Alors, je pourrais déjà prendre de l'infanterie. J'aurais pu commander une petite infanterie, mais il faut attendre. Genre deux unités d'infanterie. Non, une infanterie et une cave. Ah oui, j'aurais la cave, je suis con. Sur un archer monté et un cruin infanterie. Ça serait parfait. Ça serait parfait, tout ce qui nous manque, en fait. Un cruin, ouais, c'est exactement ce qui nous manque. Je crois que je vais les recruter avec elle, et puis elle viendra faire un petit switch. On peut déjà recruter l'infanterie. Non, je vais attendre que j'ai mon commerce. Mon marchand de vin, là. Bon, alors, je sais pas ce qu'ils vont faire, eux, maintenant, les gobelins, là. Arvillon qui sait vraiment pas où. Faire ça, 2000 balles, non. Et ils attaquent pas, c'est bien. Vaincre une force appartenante à l'un des ennemis suivants de Vitriol. Vitrioth. Caraxiflin, ben nous on est plus en guerre avec eux, et la lune corchue. Oh, d'accord, donc ils sont là les mecs, ils viennent quand même nous voir quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de garnison? Non, il n'y a pas de garnison. Quel pédé. Mais en... ils sont en guerre avec les Vitriotes aussi. Ouais, ils sont en guerre avec eux. Et avec eux, ouais, ça va aller. Je pense que les deux ici vont protéger la forêt. Mais du coup, moi, la clairière, elle est bien protégée, donc on n'a pas peur. Et le chêne des âges est aussi très bien protégé. Parce que lui, normalement, si l'IA respecte la faction, ils ont seulement des gobelins dans leur armée. Et je pense que les gobelins, contre les unités d'elfes, ils vont pas tenir très longtemps. Ils ont pas une défense de tir assez puissante. Donc elle, je pense que je vais plus la spécialiser mêlée au fait. Donc déjà, mais on va commencer par le passif. Voilà. Et dans deux tours, je vais gagner un peu plus de fouze. Est-ce qu'on prend déjà les unités avec elle? Oui, je pense qu'on va déjà les prendre. Alors ça nous coûte 700 balles plus les 400. Ça suffit. Voilà, comme ça, elle aura déjà les unités. J'espère juste que les gobelins vont pas aller à Quenelle. Parce qu'on connaît les tactiques de l'IA. Hein. Nous, ils font qu'on reste un cours 7 tours ici, quoi. D'un autre côté, quand on aura quelques tours, ils ont beaucoup d'archers, mais en fait, parce qu'en fin de compte, ils auront... Moi, j'avais fait un siège hier soir, quand j'ai joué en off avec les elfes. On les défonce, hein, voilà, on tire avec sur les archers, sur les murs, ils vont crever. Ils ont pas tellement que ça. Les hommes d'armes et... ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas les dryades. Les dryades, elles sont très fortes en mêlée. Elles peuvent monter sur les tours, elles peuvent aller sur les murs. Et elles défoncent carrément les unités de mêlée sur les murs. Hein. Et on n'en a pas, malheureusement. Mais on aura ce petit bonus de mêlée, c'est la même chose. Écoutez, on va repasser le tour. Ouais. Parce que les gardes éternels, je sais pas comment ils vont se démerder sur les murs. Hein. J'ai peur qu'ils soient un peu en PLS. Hein. Mais vous avez vu que toute unité qui n'est pas elfe sylvain, quand elle rentre dans Athel Lauren, elle a de l'usure, donc elle perd des hommes. Voilà, c'est fait. Vous avez vu, je crois qu'ils sont partis maintenant, les gobelins. Mais vous avez vu qu'ils perdaient des hommes. Voilà, j'espère juste qu'ils vont pas vers le chêne des âges. Moi, je vais y aller avec elle, juste pour être sûr, parce que j'ai peur qu'ils soient mis en embuscade quelque part. Et normalement, la clairière, elle est protégée. Hein. Même si on a un petit malus d'ordre public, c'est pas grave. Alors. Il me semble qu'il y avait une recherche plus tard. Ah, c'est celle-là, d'accord. Mais il faut un nombre.
Ladriel, la dame de la brume, pour avoir ce petit bonus diplomatique avec les factions bretonnes. Munition pour les unités d'infanterie elfique. Oh, ça, ça m'intéresse plus. Adiathos, messager du feu. La rage, oh mon dieu, quand il y a mon nom inscrit, je suis déjà excité. La rage et le feu, tels sont les dons d'Ataioth, pour ceux qui le vénèrent. Pour ceux qui le vénèrent, attends, vas-y. Attends, merde, là, plutôt, elle fait le ménage, là. Alors, bien. Bah, écoutez, 6 tours, ça va encore, hein, on va rester là. On va faire un sitting. On fait nuit debout autour de leur ville, et c'est bon. On est en guerre avec Bastogne aussi. Mais comment ça se fait ça? Ben, moi c'est plutôt eux que je veux garder dans ma poche, lui je m'en fous. Mais non, on a besoin d'être en guerre avec Bastogne, on fait la paix. Ben, moi, je vais voir s'il peut pas me donner du fric aussi. Un petit pacte. Exiger un paiement, donne-moi 500 balles. On peut demander plus, hein. Ah ben écoute, si tu me donnes 900... On va aller à midi. Bon, c'est mon dernier. Bon d'accord, ok, donc bon, allons directement à 1700. Ah voilà, donc l'équilibre parfait. Non là il va peut-être refuser, 1300. Voilà. Tant qu'à faire, hein. On a de l'argent au moins maintenant. Ok. Azray, hein. Le dieu de la Savase. Je vais vraiment te donner raison de moi-même parce que je sais pas dire chasse des fois. Depuis mon enfance, j'ai du mal à prononcer. Mais ça arrive, hein. Je l'avoue, hein. Je l'avoue complètement. Skarnik, embuscade découverte. Vous voyez, j'avais raison. Le chaos s'agite. Ouais, moi aussi, il y a quelque chose qui s'agite. Du coup, au combat, éliminer un seigneur appartenant à l'un des ennemis suivants. Ok. Au combat! Mais du coup, les mecs, Vitrio, là, défonce cette armée, quoi. Je veux dire, t'es juste à côté. Ah, ils sont OP pour l'Alliance. Ah, ma couille, merci. Bon, bah, on a un embrun en plus, du coup. Et Torkovan, toi aussi, j'imagine. Alliance militaire. Je pense que dès qu'on aura l'arbre niveau 3, ils vont être direct là pour. Pour la Confédération, ça c'est une bonne chose. Ah, ils les ont déjà battus. D'accord, ben, je vais demander à Torkovan alors. Parce que moi j'ai malheureusement pas assez d'hommes pour y aller, j'ai juste elle avec ce petit détachement là. Et elle doit aller donner au fait les unités à Orion. Orion, le roi de la forêt. Je vais passer par en dessous. Voilà. Je vais passer par les coulisses. Du coup, ça, non. C'est pas un coup très intéressant. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a 2 d'ambre. Si on récupère par avant, on aura 2 d'ambre en plus. Donc on en aura 4. Donc on pourra se permettre de faire le niveau 4 ici. Et le chêne a besoin de 5. Ouais. Donc à mon avis, ça sera pas avant Gascony. Hein. Ouais. Ici, je sais pas combien de tours il reste. J'attends juste qu'il arrête de clignoter, machin, voilà. 5 tours, bah, vas-y fais un petit tour histoire de. Si j'avais des dryades, j'aurais déjà mis fait le siège, mais j'ai peur qu'ils tiennent pas tellement contre les. Leur cavalerie, on pourrait la défoncer avec les archers après sur les murs, parce que la cave elle peut pas monter sur les murs. Avec les aigles aussi et tout, mais. Ah, eux j'ai peur quoi, j'ai peur qu'ils se dépopent sur les murs. En fait, ce qu'il nous faudrait sur les murs, c'est déjà des danseuses de guerre quoi. Enfin, les danseurs de guerre, mais c'est des femmes la plupart. À mon avis, il nous faudrait des danseurs de guerre pour faire le café sur les murs, hein. C'est très important. Parce que quand vous. En fait, l'unité qui monte sur les murs, et ça, c'est une règle dans les Total War, notez bien. Il faut que ça soit. Il faut pas qu'elle ait beaucoup d'armure, ça on s'en fout, mais il faut qu'elle fasse énormément de dégâts. Donc, tout ce qui est berserker, danseur de guerre, là, toutes les unités à hache, dans Attila par exemple. Protégez-les dans des tours qui avancent, et dès qu'ils sont dans les murs, dès qu'ils sont sur les murs, c'est eux qui feront le café. Et ne mettez pas des lanciers ou des unités de base, parce qu'ils ne tiendront pas. Il faut une unité de choc, en fait, qui détruise l'unité sur les murs. Ça paraît con, hein, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « Oui, mais je sais, je suis pas un con, je joue Total War 10 ans !» Oui, d'accord, mais il y a aussi des gens qui regardent ces vidéos, qui commencent dans les Total War. Hein. Donc, c'est un petit tip que je vous donne.
J'ai quand même assez ragé sur ce jeu pour savoir comment faire ma tambouille. Un traité de paix. Ah, on était encore en guerre avec eux. Je pensais que j'avais fait... Ah oui, bah donne-moi de l'argent. Écoute, 1300. Allez. 500. Ouais, vous êtes des radins, de toute façon, vous êtes des nains. Bah. Vas-y. Non, pas 1000. 600. Je suis d'humeur gentille. Ouais, voilà, ils sont en train de se tailler. J'ai juste peur qu'ils vont attaquer le chêne des âges. Ah ben non, en fait, ils sont en train de les tracer. Torkovan fait son taf. D'accord, merci Torko. Ouais, non, là, ils sont en PLS. Là, c'est même s'ils peuvent assiéger ce qu'ils veulent, à chier ce qu'ils veulent, ils seront morts. Donc ça, je fais pas encore, parce que pour l'instant, non. Par contre, ça serait intéressant. Les danseuses de guerre, très très bon, ça, en contre-charge. C'est même, moi, je trouve que c'est même mieux que les rangers. Hein. Parce que les danseurs de guerre, ils sont plus rapides, ils ont 48. Ouais, ils sont beaucoup plus rapides, les danseurs de guerre. Il faut quelque chose qui pêche. Donc 3000 balles. Ou l'archer niveau 2 pour pouvoir prendre des gorges profondes magiques. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Can I offer assistance? Blood for Cain. On va pas profiter qu'il soit à côté, l'autre andouille là, non? J'ai vu que ça commence déjà à baisser. Je peux encore rester 4 tours, ça me dérange pas spécialement. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va rapatrier mademoiselle. On va la rapatrier, qu'est-ce qui est plus rapide hein. Ouais, on va passer par en dessous. On va la rapatrier, elle va tout de suite nous recruter les unités qu'on veut, donc les poisons ici. Les poisons. Les chevaux à poison sont mieux. Donc on va faire ça. 3500. Comme ça, on nous prend aussi tout de suite la gorge profonde. Même si les danseurs de guerre sont bien. Donc on va d'abord construire ça. Voilà. On gagne pas beaucoup plus hein, avec notre saloperie. Comme ça, on prend une unité de chevaux poison et une gorge profonde magique pour Roberto ici. Pour Orion. Je sucre ces deux-là. Non, voilà, c'est ça. Je sucre ces deux-là. Je prends des gorges profondes magiques. Je prends une unité de mêlée des danseurs. Enfin, on verra. Je fais juste un petit calcul là. Je devrais le faire en off, mais bon. Et là, on continue à siéger. On n'a plus que 4 tours. Et donc, on a fait l'alliance avec eux. Par contre, oui, lui, il me fait tellement la tronche. Il me fait la gueule d'Ursu. Attends, s'il arrêtait de déclarer la guerre à la moitié du monde connu aussi. Ah, ils sont courageux les gobelins. Il y a Harkunt à côté. Et à mon avis, ils veulent les défoncer. On fait quand même une belle petite alliance avec Harkunt et nos deux amis ici. Hein. Pour une fois que l'IA se bouge le cul. Rejoindre la guerre contre truc. Non, par contre, non. C'est à toi de leur faire la paix. Hein. Je suis pas là pour... Venin noir. Faction détruite. D'accord. Venin noir? What the fuck? Mais c'est quoi ça? Alors toi, ma belle... Ah non, t'es chiante, quoi. Tu peux pas y aller direct. Da, ça. Oui, proposer encore des noms de généraux et de héros. Je les renommerai. Il me faut beaucoup de noms, parce que je tire au sort. Ok, donc toi, on te vire. Lui, on va le virer. Parce que je vais recruter les... Dès que ça c'est fini, je le recruterai les mecs qu'il faut. J'adore quand il dit mon nom. Alors, peut-être que je ferai une petite coupure jusqu'à ce qu'on prenne la ville, en fait. Donc on vient à passer les tours. Qu'est-ce qu'il veut, Harkunt? Putain, mais si lui me le demande aussi. Hein. Non, ah non, mais non, t'es chiant. Mais t'es en guerre avec eux, occupe-toi de tes oignons, mec. Ah, ils ont réussi à s'enfuir. Non. Ah, vous êtes bientôt morts, les mecs, on va pas faire la paix. Ce serait dommage. Voilà. Maintenant qu'on est bien, on va retirer ce malandrin.
Et on va attendre qu'on puisse prendre les danseuses de guerre. Et en attendant, on va prendre un poison et deux gorges profondes magiques. Ce qui nous fera un total de ça coûtera cher l'entretien, putain. 800 balles. J'aimerais tout prendre en même temps, en fait. On va d'abord construire ça et puis on recrutera. Parce que le temps qui finit, Sorion, de toute façon. Au bout de mes rêves, le bois rêveur d'Assel Gaelin est un lieu interdit, dirigé par les disciples de Slaanesh. S'y rendre, c'est jouer avec la folie et la tentation. Et ceux qui en sortent sont soit détruits par la folie, ou renforcés par les épreuves qu'ils ont vécues. Celui-ci a marché dans les feux de la folie et a trouvé une force céleste de l'autre côté. Au bout de mes rêves, au bout de mes rêves. C'est une chanson de Céline Dion. Réserve de puissance de vente magique plus 10, d'accord. Mais ça va peut-être aller, oui, de se balader dans les forêts interdites. Alors, 3000, ça coûte plus cher, hein, 3500. Voilà, on va faire ça, comme ça on pourra prendre les danseuses du ventre. Je donne plein de petits noms à la con. Les gorges profondes et les danseuses du ventre. Voilà, j'avais fait une petite coupure, hein, et au prochain tour ils vont être en PLS et on va pouvoir prendre en automatique. On pourrait jouer le siège. Vous voulez voir un siège Si on le joue le siège, on le jouera au prochain épisode, donc vous avez le temps d'écrire vos commentaires. Est-ce que vous voulez que je joue le siège au prochain tour, hein, quand ils seront en PLS. Donc on sera sûr de gagner, mais c'est juste pour que vous voyez un peu la gueule des sièges chez les elfes, pardon. Ou vous voulez voir la suite, c'est à vous, ben voilà. Comme ça, c'est à vous de décider comment sera la suite des événements. Alors il m'énerve parce qu'il veut tous que je redéclare la guerre aux nains, là, moi je veux pas. Dursu, il me fait la gueule. Eux, ils sont toujours pas morts. Et ici, j'attends d'avoir ce bâtiment pour pouvoir recruter le détachement qui ira garnir l'armée Kier 2 de Orion. On est déjà un peu au-dessus du temps, mais c'est pas grave, on va passer un dernier petit tour. Et on va s'arrêter là, et c'est à vous de me dire, est-ce que je fais le siège de Paravon, oui ou non? Je peux mettre un Strobol, si vous voulez. Non, mais c'est trop con, le Strobol. Mettez-moi dans les commentaires, c'est pas si compliqué que ça. Oui ou non, est-ce que je fais le siège de Paravon? En sachant qu'on sera vraiment sûr de gagner, hein, parce qu'ils seront déjà en PLS. Je suis content que Gasconi n'ait pas déclaré la guerre, j'ai vraiment... C'est la tremblote. Alors regardez, il me propose même du fric pour que... Caraxifline, ils font rien, quoi. Non, j'ai pas envie, quoi. Fais pas chier. Unis contre nous. Nos ennemis de Paravon ont invité la faction Gasconi à se battre contre nous. Ah bah putain, bus pile poil au bon moment. Hein. Pile poil au bon moment. On a basé l'armée suivante, Gasconi Paravon. Oui, mais je vais le faire là maintenant. Ok. Donc Gasconi est quand même en guerre avec nous et ils vont sûrement aller vers Brionne. Je peux vous parier tout ce que vous voulez. Paravon va tomber au prochain épisode. Est-ce que je fais la bataille, oui ou non? C'est à vous de choisir. Vous êtes les maîtres du jeu. Malheureusement, il faudra s'attendre à perdre Brionne. Mais c'est pas grave, l'ambre sera rétablie parce qu'on aura truc et on ira défoncer après. On va perdre Brionne, je pense. Ils vont y aller directement, moi j'aurai jamais le temps d'y aller. Donc c'est pas grave. On récupérera Brionne après. Hein. Comme ça, ça tombe bien qu'il nous déclare la guerre, comme ça on prend tout d'un coup au prochain épisode. Elle va déjà commencer à recruter eux et eux. On commence à garnir. Et je vais juste vous montrer vite fait, on va finir sur cet écran de bataille. Voilà. Vous voyez, on a énormément de chances de gagner, mais vous avez peut-être envie de voir une bataille de siège avec les elfes sylvains, oui ou non? C'est à vous de choisir, moi je m'en fous. Hein. Mettez-moi dans les commentaires, est-ce que je fais la bataille au prochain épisode ou est-ce que je la fais en automatique? C'est vous qui décidez. En tout cas, moi, je vous dis encore une bonne fin de semaine. Demain, on est vendredi, donc ouais, bientôt le week-end. N'oubliez pas les likes, les commentaires, d'avoir les notifications, surtout de ma chaîne. Donc, à côté du bouton abonné, il y a la petite cloche. Comme ça, vous avez toutes les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Il faut faire ça à cause de la nouvelle... YouTube qui a changé et qui a donc un nouveau système qui est pas super, mais au moins avec ça vous aurez les notifications dès que je sors une vidéo, c'est quand même plus simple pour vous. Et n'oubliez pas les vidéos de Total War Studio, bien évidemment. C'était Rich Lewis pour Asselaren. Et pour les Québécois aussi, qu'on embrasse très fort.